Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Avatar Frontier of Pandora. C'est un jeu qui va bientôt sortir, qui sortira le 7 décembre. Donc sur cette vidéo, on se retrouve pour voir un petit peu du gameplay du jeu et voir comment ça se joue, ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Là, graphiquement, il n'est pas ouf, les rayons, mais le reste... Ouais. Donc logiquement, ça sera un jeu qui ressemble un peu, qui ressemblera sûrement un petit peu à du Far Cry, où vous aurez un monde un peu ouvert, vous aurez sûrement des zones à droite, à gauche, où vous allez avancer dans le jeu, découvrir des choses, chercher des choses et tout. Donc il y aura pas mal de vidéos que je ferai sur le jeu. Je vais vous montrer pas mal de vidéos et je vais faire pas mal de gameplay aussi. Donc n'hésitez pas par avance à liker les vidéos, à cocher la cloche et à vous abonner, comme ça vous verrez toutes les différentes vidéos que je pourrais sortir sur le jeu. Sur le futur jeu. Donc on va voir. Donc logiquement vous pouvez conduire, vous aurez plusieurs animaux. Vous aurez celui-ci, le volant, je m'en rappelle, je connais pas les noms forcément. Donc il y aura celui-ci de volant, vous aurez l'espèce de cheval aussi. Voilà. Logiquement vous ne pourrez pas prendre tout ce qui est hélicoptère, je crois, et comment ça s'appelle? Et que l'hélicoptère et tout ce qui est un peu humanoïde, vous pourrez pas prendre tout ça logiquement. Vous serez toujours en forme avatar. Par contre, vous pourrez prendre tout ce qui est armes, armure, etc. Des personnages. Vous voyez, il y avait des armes, vous pourrez avoir des lance-roquettes et tout, des armes que vous trouverez et tout, etc. Après, vous aurez deux types de compétences, que ce soit les armes avatar, Navi, voilà, et vous aurez les armes humains. Vous aurez deux arbres pour avancer. Donc ça sera plutôt discret avec lui, vous voyez, avec les arcs et les arcs, les lances et tout. Ce sera du discret, voilà. Et vous aurez sûrement du pas discret avec les autres. Ah, tu as court-circuité son truc. Ok. Exécuter hack, vas-y. Montre-moi, ça fait. Oh putain, il en met des flèches à tuer. Hein. Putain. Ah ouais, c'est costaud. Hein. Ça va être costaud. En fait, il faudrait vraiment que tu tires en plein milieu. Sur quand il n'y a personne, ça va. Après, je sais pas si tu feras voir aussi si tu peux sauter sur eux et les tuer à coups de couteau par-dessus. Je pense qu'il s'est fait remarquer, ouais, alerte, tu vois, en haut, il s'est fait repérer. Et on avance. Ah, avec les flingues, c'est beaucoup mieux, ça. Il y a eu beaucoup plus de dégâts, ouais, normal, avec les flingues, que... Enfin, toujours tester. Ouf. Donc vous avez la barre verte, c'est la vie, et la barre bleu, sûrement une espèce de petite armure ou qu'est-ce qu'il envoie, une espèce de ah t'as vu, t'as, vous avez un espèce de scanner pour voir ouh ça fait mal.
Ah ben, j'ai bien hâte de tester. Vous avez pas mal d'armes, vous avez vu. Il y a l'arquin, le flinguin et plusieurs armes. En train de détruire la base ennemie. Vous aurez pas mal de circuits. Pour déverrouiller, ok, vous tracez un chemin. Ah, t'as pas mis assez de rapide. Il n'y a pas été ça assez rapide. Ah si, t'as un court instant, d'accord, c'est un court-circuit qui... Bah, ça donne vraiment vraiment hâte de tester. Donc ça là, c'est un petit gameplay. Voilà, bien sûr, vous inquiétez pas. Quand le jeu va sortir, vous verrez beaucoup beaucoup plus de vidéos de ma part. Donc voilà, des astuces, etc. Vous verrez énormément de vidéos sur le jeu, qui a l'air très intéressant, que je vais bientôt pré-acheter. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez acheter le jeu à prix réduit, allez sur ma description, cliquez sur le lien Instant Gaming. Une fois que vous êtes sur le lien, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur leur site. Une fois que vous êtes sur leur site, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé le compte grâce à mon lien, vous pourrez acheter des jeux dématérialisés à prix réduit. Moi j'achète tous mes jeux là-bas, c'est même là-bas que je vais acheter ce jeu-là. Donc n'hésitez pas à faire comme moi si vous le souhaitez. Voilà, vous avez vu un petit peu de gameplay assez sympa. J'avance un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous. Si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne game et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao ciao!